ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans notre retour de course de la semaine. Alors cette semaine on a fait Lidl France, d'habitude je vais en Belgique, là on était en France. Et j'avais grand frais pour ce que je trouvais pas Lidl quoi en fait. Donc on y va, c'est parti. On commence tout de suite par les surgelés, comme ça j'ai mis tout au congélateur. J'ai pris un paquet de steaks parce que les enfants m'ont réclamé des burgers, donc je vais faire des hamburgers maison. Et j'ai pris en même temps des frites, alors c'est des frites, c'est des steaks ou frites, c'est des grosses frites. En fait moi ce qui m'intéressait c'est de pouvoir les faire au four. On peut même les faire à la friteuse, vous voyez les friteuses air chaud là. Je me demande si c'est bien ça, les friteuses air chaud. Je suis de plus en plus à me demander si j'en achèterais pas une, mais ce qui m'embête c'est les quantités en fait. C'est celle qu'il faut 3 quarts d'heure pour les cuire. Non maintenant il paraît que les nouvelles elles sont un peu plus performantes quand même. Une demi-heure. Mais en même temps, au four, on les met facilement une demi-heure, hein, Greg. Mais ce qu'il y a, moi, c'est la quantité. Il faudrait au moins une qu'on puisse mettre au moins 1,5 kg dedans de frites. Ah oui, au moins. Au moins. Voilà. Avec les gros mangeurs de la maison. Ouais, donc si vous en avez une, voilà, je suis curieuse. Tiens, chérie, tu peux mettre ça au congélateur en même temps? Oui, en fait, les frites, je pourrais les faire maison. Hein. Ce qu'il y a, c'est que le week-end, souvent, c'est jour où je... Et du coup, je choisis la facilité. Souvent, en plus, c'est un peu la course. Entre le foot, les machins et tout. Bref. Je continue. Je fais attention, j'ai mon pied, j'ai l'impression qu'il bouge. Avec les fruits et légumes. Donc j'ai pris des pamplemousses. Des... Alors là, c'est des mandarines. C'est des nori. Nori. Ouais. Alors ça vient, elles viennent de Lidl. Et franchement, elles étaient belles, grosses. Elles avaient l'air d'être bien... Vous voyez, fermes. Mais en même temps, on sent que la peau, elle va être facile à enlever. Mais on verra le goût. Hein. J'ai pris des petites pommes de terre comme ça, sont pratiques, c'est des pommes de terre micro-ondables. Donc en fait vous pouvez percer le paquet. Donc c'est juste des pommes de terre, hein. Il n'y a pas de conservateur ou quoi que ce soit dedans. Mais vous percez le paquet et elles, en 10 minutes elles sont cuites. C'est pratique pour les jours de... où c'est un peu speed. J'ai pris aussi des pommes de terre chair ferme. Hop, hop. Pour refaire le plat. J'ai pris des petites tomates. Alors je sais c'est pas la saison mais c'est pour moi grignoter à l'apéro ou quoi, j'aime bien. Des pommes. Oui, tu n'es pas le seul à le dire que c'est pas de saison, je sais. Ah, j'ai oublié de me racheter de la bouffe à grand frais. Tant pis. C'est que j'y ai pensé, j'ai vu. Et t'as pris des tomates comme je t'avais demandé? Des tomates. Je t'ai dit il me faut des tomates, t'en as pris? Ah non. Pour les burgers. Tant pis. Rien, c'est pour samedi. Ouais, c'est pour samedi. Des bananes. Hop. Brocoli. Des poires. Et des carottes. Et quand il y a des carottes, il y a aussi des radis. Voilà, ça c'est pour moi, pareil à l'apéro. Et chérie, mets tout de suite les trucs au frigo là, s'il te plaît. Au congélateur, s'il te plaît. Une iceberg, une salade iceberg. Et c'est tout au niveau fruits et légumes. Ah, j'ai pris aussi un bouquet de tulipes. Hop, pour remplacer mes roses de la semaine dernière. Quel mytho alors. Je les ai pris, je les ai mis dans le caddie. Je lui ai dit merci chérie pour le bouquet de tulipes. C'est moi qui t'ai fait. D'accord, si tu veux, c'est toi qui me les as offerts. Hein, si on attend. Faites-vous plaisir, mesdames. Franchement, si vous attendez votre mari, voilà, à l'idée, alors ça lui arrive hein, de temps en temps, hein, mais voilà, de temps en temps. Mais bon, pourquoi on devrait attendre en même temps qu'il nous les offre? Autant se les offrir soi-même. Hein. J'ai pris un pain. Tu veux les faire montrer tout de suite? Alors, on a pris des ampoules. Hop, on vient de changer celle des toilettes, elle est déjà naze. J'ai pris un pot de mascarpone. Alors, je vais... prévu de, vous allez voir dans le menu, de faire un petit déjeuner au dîner et je vais faire une brioche. Une brioche au mascarpone. Je me suis pris un gros pot de fromage blanc. Alors, Lidl France, il n'y a pas de skyr, donc du coup, j'ai pris du fromage blanc.
De la compote de pommes, pommes myrtilles. Alors c'est sans sucre ajouté, il n'y en a pas beaucoup des sans sucre à Lidl. Pour les enfants, je leur ai pris des yaourts à boire, je sais qu'ils aiment bien, donc voilà. Et puis c'est pratique vraiment pour goûter, ils prennent ça quand ils reviennent du foot. J'ai pris des yaourts comme ça à la vanille, je sais que Stécie les aime bien. Hop, et Greg s'est pris des yaourts grecs sur un lit de fruits rouges. J'ai repris du beurre pour la pâtisserie. J'ai pris de la crème légère liquide parce que je vais en avoir besoin pour des recettes de cette semaine. Et j'ai pris 3 brie. Oui, 3. En fait, j'en ai pris 3 parce qu'il y en a un qui vont manger comme ça. Quoi, non? Il y en a un moi. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Il y en a un qui vont manger comme ça. Et 2 qui vont... Faut pas du tout toucher à son brie, hein, vous l'avez entendu. Hein. Et il y en a 2, je vais faire des brie au four avec des petites pommes de terre. Justement, les petites pommes de terre que j'ai achetées. À mon avis, c'est pas que l'ampoule qui a grillé. Ça doit être le truc qui a grillé. C'est le truc qui merde. Voilà. De l'ampoule. Des toilettes. Bref. Donc, et il y en a 2, je vais faire fondre au four. Avec les petites pommes de terre que j'ai pris ce week-end et une petite salade, ça ira très très bien. Ensuite, j'ai repris. Donc là, c'est. Je vais continuer avec le. Les... Oui, avec le fromage. J'ai pris du la mozzarella râpée. Je vais faire des petites. Des demi-baguettes gratinées avec de la bolognaise dessus. Un repas qui va vite par excellence et qui est pratique et que les enfants aiment bien. Du parmesan, j'en ai pris 2 parce que j'en avoir besoin dans certaines recettes. Et j'ai pris des parmesans en copeaux comme ça parce que je vais faire une salade en accompagnement. Je vais faire comme une salade de César. On continue avec la viande. Hop. Et tout ce qui est charcuterie, etc. Alors, j'ai pris des allumettes de bacon. De lardon. Pas du bacon, il n'y en a pas en France. Allumettes, enfin il n'y en a pas en Lidl en France. Il y en a en Lidl en Belgique, mais pas en Lidl en France. Des allumettes de lardon fumé. Alors j'en ai pas forcément besoin cette semaine, mais j'aime bien en avoir. Je fais une omelette avec des lardons par exemple. C'est toujours pratique d'en avoir dans le frigo. On a pris ça, alors c'est pas spécialement, c'est pour manger comme ça à l'apéro. C'est du filet mignon fumé au bois de hêtre. Voilà. De la viande hachée, je vais en avoir besoin pour une recette de cette semaine. Je vais prendre mon menu. Viande hachée pour le wanpo quinoa à la mexicaine. Les enfants aiment bien le gazpacho. Gazpacho? Non, c'est carpaccio. Le gazpacho, c'est la soupe. Et du coup, il y en avait. Je me suis dit que pour aller avec les frites samedi. Alors, du coup, on a changé. On va mettre ça samedi et mettre les hamburgers dimanche. Voilà, du coup, j'en ai pris 4, un chacun, une assiette chacun. On va faire avec les grosses frites. Hop, il n'y a plus de place. Ce soir, c'est des escalopes panées. Et il y avait déjà les escalopes panées comme ça, des escalopes de dinde à la milanaise. Donc ça sera pour ce soir. Des côtes de porc dans l'échine, juste pour les faire poêler comme ça, nature. Alors souvent, ils préfèrent dans l'échine parce que c'est moins sec qu'au filet. J'ai pris de l'ossobulco de dinde. Je vais faire un ossobulco de dinde à la mijoteuse. Je vous partagerai la recette. Ça va être une des recettes que vous aurez à part cette semaine. Des morceaux de saumon comme ça pour faire du saumon sauce crémeuse aux tomates séchées. J'ai pris des raviolis. Je vous ai dit la semaine dernière que j'avais envie de raviolis à la bolognaise gratinée. Donc du coup j'ai pris des raviolis de bœuf et je vais le faire avec de la sauce bolognaise maison. Et comme une barquette c'est trop pour faire juste les raviolis, ben là, je vais mettre la moitié mélangée avec les raviolis et l'autre moitié je vais m'en servir pour faire les demi-baguettes gratinées que je vous ai dit tout à l'heure. Greg s'est pris du saucisson sec comme ça pour manger à l'apéro. Et j'ai pris des saucisses comme ça pour faire un wanpo à l'italienne avec des saucisses dedans. Ensuite, 3 boîtes de tomates concassées pour les recettes. Des petits oignons déshydratés comme ça. Par contre, ça, on a du mal à le trouver en Belgique. Donc, du coup, j'en ai profité pour le prendre en France. J'ai repris aussi du persil aussi déshydraté comme ça. Enfin, c'est même pas déshydraté, c'est lyophilisé. Et je trouve que quand ils sont lyophilisés, ils ont plus de goût que quand ils étaient déshydratés. De l'ail en poudre. J'ai pris aussi de l'huile de vierge de coco, celle-là elle sent la coco. Je vais faire un granola. En fait cette semaine j'avais envie de vous faire une vidéo à part avec 2 recettes de petit déjeuner dont un granola au cranberry. Du coup ben, j'ai pris, parce qu'il y a du sirop d'érable dans mon granola, donc j'ai pris du sirop d'érable. Des tortillas, il me reste des avocats de la semaine dernière qui sont bien mûrs, je vais faire du guacamole avec.
J'ai repris une bouteille de thé infusé comme ça pour finir les petites perles de... les perles de bubble tea. Une bouteille de martini blanc pour Greg. Et moi, je me suis repris une bouteille de Jurançon. Hop. Des petits tucs. Pareil, c'est pour l'apéro. Nutella, il n'y en avait plus. Ils ont entamé un pot, donc j'aime bien en avoir un d'avance. C'est tout par moment, hein. J'en achète très rarement, vous en voyez très rarement dans mon retour de course, mais là en ce moment ils en remangent. Des flocons d'avoine justement pour faire le granola. J'ai repris deux paquets de farine T65 comme ça. Alors ça c'est pareil, ça fait X temps que vous n'en avez pas vu dans mes retours de course. À un moment j'en achetais tout le temps et du coup je me suis dit refais-toi plaisir Sandra, un petit carré de temps en temps, ça te fera pas de tort. Chocolat noir, c'est mon péché mignon. Éclat de caramel et puis éclat de framboise. En fait j'aimais bien prendre un petit carré le soir avec une infusion. Et les escalapes, oui. Non, les raviolis. Non, c'est pas pour ce soir. Bah alors, du sucre pour mon café, des cranberries pour les, le granola, de la levure chimique, j'en ai pris deux, j'en avais plus, j'en ai pris deux au cas où. Hein. Greg s'est repris ses petites gaufres, comme d'habitude. J'ai pris une brioche, parce qu'il y en a... je vais en avoir besoin pour une des deux recettes que je vais vous partager de petit déjeuner. On va faire un pain au four, un pain... pain perdu, style pain perdu en fait, pudding, nous on appelle ça un peu le pudding du nord en fait, aux pommes et à la cannelle avec de la brioche dedans, qu'on va faire au four. Les demi-baguettes, donc j'en ai pris deux paquets, c'est pour les demi-baguettes gratinées à la bolognaise. Donc en fait c'est très simple, vous coupez vos demi-baguettes, vous mettez de la bolognaise dessus, vous mettez de la mozzarella, vous faites gratiner ça, et les enfants adorent. Et j'ai pris aussi un pain aux noix. Stacy adore le pain aux noix de Lidl, mais de Lidl France. Celui de Belgique, il est différent en fait. Le pain est différent en Belgique. Ensuite, on a pris... Oh là là, est-ce que je vais y arriver? Oui. Un pack d'eau pétillante. Un pack de lait. Hop. J'en avais plus du tout, je suis tombée à court aujourd'hui. Stacy revoit du chocolat chaud le matin, donc du coup les packs de lait partent plus vite. Greg s'est pris du... Enfin, on s'est repris, pas que Greg, du bain de bouche. J'ai pris des lingettes comme ça désinfectantes, c'est surtout pour mes poubelles, le couvercle de la poubelle, c'est avec ça que je le fais. Il y a toujours des petits trucs qui collent et tout, et au moins ça vous le prenez, vous le mettez à la poubelle. J'ai pris du mire vaisselle, du papier toilette, et il y avait trois nouveautés qui m'intriguaient et du coup je les ai achetées. Donc là c'est du nettoyant. Ça fait, doit faire comme un style Sanitol à la menthe, je pense. Version Lidl, donc moins cher. Et il y avait un spray cristaux de soude comme ça. Alors les cristaux de soude, c'est nickel quand vous avez une casserole qui a cramé, vous voyez, dans le fond ou quoi, qui a brûlé. Vous mettez une poignée de cristaux de soude avec de l'eau et vous le faites bouillir. Et franchement, tout il se décolle nickel. Je me suis dit que pour nettoyer le four ou quoi, voilà, en spray comme ça, ça pouvait être pas mal. Donc je vais tester ça. Testera ça ensemble. Et il y avait aussi le nettoyant à base d'alcool, à base de vinaigre d'alcool aromatisé à la framboise, donc en gel. Donc voilà, c'est pareil, c'est nouveau. J'aimerais bien que ça reste parce que c'est bien d'avoir des petits produits comme ça. Enfin, j'utilise beaucoup le vinaigre moi dans mon ménage. Donc voilà. Alors les courses, le montant, je vous ai pas dit, on en a eu pour 182,85 €. Je trouve que Lidl a bien augmenté ses prix quand même. Enfin partout, hein, je pense. Enfin depuis la crise qu'on a eue depuis le Covid de l'année dernière, je trouve que maintenant c'est dur d'avoir un budget qui est limité. Hein. Donc je vais continuer avec Grand Frais. Grand Frais, on en a eu, je vous dis tout de suite le montant, 26,33 €. J'ai pris, j'avais envie de l'ananas. La semaine dernière, j'ai pris un ananas, vous voyez, déjà coupé, il était en date limite. Elle était super bon, donc j'en avais envie. Je me suis pris des petites framboises pour le matin déjeuner. On a pris une bouteille de nectar aux fruits de la passion. J'ai repris des œufs de plein air. Alors à chaque fois, je prends un grand frais. Je prends les blancs parce que les blancs, c'est des calibres moyen gros. Une poignée d'épinards pour faire une recette. Alors Greg va m'en ramener aussi du potager.
on a pris juste, c'est pour demain, c'est pour ma sauce crémeuse aux tomates séchées avec mon saumon. J'ai pris des myrtilles, je vais vous partager une recette de gâteau aux myrtilles et à la ricotta. C'est une des recettes que vous aurez à part. De la mâche, des spaghettis. Alors il n'y avait pas de complète, d'habitude je prends des complètes, mais à Grand Frais il n'y en a pas. Une tête d'ail, des pâtes pour les wampo de cette semaine. J'en ai pris deux, j'aime bien en avoir un d'avance. Du beurre, alors celui-là il est vraiment très très bon. C'est du beurre au cristaux de sel de Guérande. Il est du beurre de Barati, franchement il est top. Si vous aimez bien le beurre salé. Du cheddar pour les burgers, poivron rouge, poivron vert pour les recettes, et puis de la ricotta pour le gâteau à la ricotta que je vais vous partager cette semaine, comme je vous ai dit. Alors je vous mets le menu ici, on fait un petit point. Donc steak à la tomate ce midi avec les pâtes, ce soir ça va être du riz à la tomate avec des escalopes panées et le brocoli, les raviolis à la bolognaise pour demain, saumon sauce crémeuse, tomates séchées, pommes de terre sautées pour mardi. Mercredi, les demi-baguettes gratinées avec la bolo. Comme je vous ai dit, en fait, je vais les refaire voilà, avec le reste de bolo. En fait, je vais faire les deux recettes, les raviolis et les demi-baguettes bolo. L'ossobulco de dinde que je vais vous partager en recette spéciale. Ça va être une des trois vidéos que vous aurez cette semaine à part des vlogs. Le wanpo quinoa à la mexicaine, recette qui est déjà sur le blog. Les pommes de terre tapées au parmesan avec les côtes de porc et de la salade César, pommes de terre tapées qui est déjà sur le blog. Le wanpo pasta à l'italienne et à la saucisse, pareil, c'est une recette qui est déjà sur le blog. Brie au four avec les pommes de terre et la salade. Samedi, hamburger de luxe, salade avec petit déjeuner au dîner. Donc de temps en temps ça arrive, Greg aime bien en fait faire ça, c'est qu'au lieu de, voilà, de dîner en fait on met au petit déjeuner ce que... Alors Greg ne déjeune pas, donc du coup ça lui permet d'avoir un petit déjeuner entre guillemets, de pouvoir manger ce que nous on mangerait au petit déjeuner. Le dimanche, steak frites salade, donc là ça va être les le gazpacho, et planche ou reste dimanche soir. Voilà, donc les trois vidéos que vous aurez à part cette semaine, ça sera une vidéo spéciale petit déjeuner avec deux recettes, le granola et puis le pain, le pudding au four. Une autre vidéo avec le gâteau ricotta myrtille et une recette salée avec l'ossobulco. Voilà, tous les liens sont en barre d'infos si vous souhaitez. Tous les liens avec les recettes de cette semaine qui sont déjà sur le blog, ils sont en barre d'infos. Vous aurez aussi le lien pour télécharger le menu que je vous ai mis ici. Voilà, tout est en barre d'infos. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. Gonna love you till infinity.